Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compétences Mac où aujourd'hui on va voir comment accéder sur l'iPhone à une bibliothèque partagée par un Mac, un PC, etc. qui se trouve sur votre réseau, donc ça veut dire qu'il est connecté à votre box, à la même box. Donc pour que le partage fonctionne, il faut bien évidemment que vous ayez activé le partage de bibliothèque dans iTunes et sur l'iPhone. Pour pouvoir y accéder, il faut alors d'abord aller dans les réglages. Vous allez dans Musique et vous activez le partage à domicile en bas avec votre identifiant Apple. Donc c'est bien le même identifiant Apple que vous utilisez également sur les bibliothèques partagées. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez lancer l'app Musique. Vous allez dans Autres. Et ici, vous avez la section Partager. Donc là, s'affichent les bibliothèques disponibles. Donc celle de l'iPhone, c'est la musique qui se trouve dans l'appareil. Et par exemple, je vais accéder à la bibliothèque de l'iMac du bureau. Donc, il va charger la bibliothèque. Et ainsi, j'accède entièrement à la bibliothèque de l'iMac, donc c'est écrit en haut de l'écran, et je peux choisir voilà, une liste de musique, et ainsi diriger la musique de mon Mac à partir de mon iPhone. Et si en plus j'ai configuré iTunes sur mon Mac pour qu'il diffuse la musique sur une enceinte AirPlay ou sur une chaîne Hi-Fi, voilà, je peux piloter entièrement ma bibliothèque iTunes depuis mon iPhone et ça m'évite ainsi de transférer toute ma musique sur mon appareil mobile, que ce soit un iPhone ou un iPad. Voilà, donc vous accédez vraiment à tout ce qui s'y trouve et ça fonctionne également pour les vidéos. Là encore, on peut aller dans Partager, choisir Bibliothèque et accéder à l'intégralité de la bibliothèque iTunes qui se trouve sur le Mac. Voilà, donc c'était une petite astuce qui est quand même très très pratique pour éviter de surcharger votre iPhone et je vous souhaite une bonne continuation sur votre iPhone.